tombe pas que à Paris, parce que regardez la taille de ma valise. Première étape du périple, du coup quelques jours à Paris, parce que ce soir on a un événement plus qu'important. On est en retard. J'arrive pas, ça me suit. Mais tu prends le micro, les gars. Julie, je suis heureux. T'es ou pas? En vrai, ça va encore. Principalement de l'alcool et... Ça va être... C'est du pétrole ou quoi? Est-ce que vous êtes chaud pour qu'ils aient arrivé jusqu'à maintenant? Demain, on entame la deuxième partie de ce petit périple. Oh, non. Mais non, mais les copains, vous êtes là. Yes, I. Hey, bloc pour le commentaire. Let's go. Hello. Ah, bah, c'est le propriétaire. Je vais peut-être ranger ma caméra. Il me fait super peur. Voilà. Bonjour. Bienvenue à notre maison pour ces 5-6 jours. Les gars, nous sommes arrivés dans notre super grande maison. Ça résonne, vous pouvez déjà deviner à quel point c'est super grand. Regardez, petit exclu. Il y a beaucoup d'escaliers. À l'aide. C'est une vision d'horreur. Hein. Salut. Bonsoir. Descendu dans le couloir. C'est l'heure de faire les chambres. Et là ça rigole plus. Attendez, ça rigole. Là tout le monde est très sérieux. On change de mood. Je veux mais j'ai peur en même temps. Bon, Gizzy, au pire tu participes pas, non? Tais-toi. Comme à chaque début de voyage avec la team, notre première activité est toujours de définir les chambres. C'est un peu notre petit rituel à nous, tu vois. Mais il y en a un d'entre nous qui n'a jamais de chance et qui finit toujours par tomber sur la pire. Non, c'est trop comme réaction. Non. Mais Gizzy, c'est pas grave, ça va aller, hein. Gizzy, c'est pas grave, ça va aller. L'important, c'est de participer. J'ai vomi. Oh putain, il a peut-être l'occasion pour une fois d'avoir une vraie chance. Non, il a perdu. Pierre, papier, ciseaux. Si j'ai pas toutes les finales de toutes les chambres pour un final pair, je comprends pas. 3, 2, 1. Ah, Il va finir sur le transat, il y avait un lit à Baldaquin là-bas, je pense que ça va être... Comme d'hab, on fait Gizzy là-bas, tiens, chambre. Allez, en vrai, une chance sur trois, la vie de ma mère, faites des efforts là. Vous êtes prêts, c'est parti. Faites des efforts avec moi, s'il vous plaît, là. C'était écrit dans l'histoire, c'est être entre... Mais tu sais qu'en vrai, ta malchance m'impressionne. Ah, celui qui gagne, il dort ici avec une bête de vue et l'autre, il dort à côté de l'aération dans le salon. Allez, c'est pour moi celle-ci. Hein. Let's go! Oh, let's go! C'est mon lit. Nous, ça nous fait beaucoup rire. Et en plus, on a les meilleures chambres, donc ok. Mais lui, est-ce que pour une fois, il va réussir à gagner 5 chambres, 7 personnes? Du coup, il y a forcément 2 duos. Les potentiels duos pour les chambres doubles sont Alaya et moi, Andreas et Lucas, et Valentin et Raven. Du coup, là, c'est l'entrée. Là, c'est le plat. Et là, il y a la première... Ah, c'est drôle, ça. Je fais une grande gamme. Petite toilette, je vous fais la visite rapide. Hein. Première chambre. Bah, ça, du coup, c'est ta chambre. Bah oui, je sais. What the fuck? La pièce à jeu, un baby-foot, un billard. Et donc, la première chambre, elle est là. Celle-ci a un dressing en moins. Elles ont toutes des salles de bain individuelles. Okay. C'est parti. C'est parti pour le roue de la chambre. On a vraiment mis beaucoup de prod là-dessus. Hein. Roue de la chambre. C'est la moins bien. Oh. Ah, je comprends. Avec Doxy. Oui. Bah oui, bah donc c'est à vous deux là, cette chambre, tout ça. Ok. Raven, je vous supprime. Ah non, Valentin, c'est pas si grave. Chambre suivante. En gros, là, il y a forcément une deuxième chambre qui est dans un duo. Soit Alaya, moi, soit Lucas, Andreas. Donc, la première personne qui sera tirée au sort aura la deuxième chambre en duo. Donc là, il y a un dressing, salle de bain, double masque, etc. Douche. Et t'es pile à côté du jacuzzi de la salle de bain. Oh, elle est incroyable. Ah ouais, à côté de la salle. Ah, j'avoue, celle-là, elle est incroyable. Je la veux. Et pour moi, il est Alaya. Oh, c'est celle-là que tu voulais avec le miroir. C'est Théa qui tombe, je vois. C'est là où c'est à côté. Ouais.
Non. Let's go, Kizzy. Et on $1 million On doit à deux, ok, ça c'est le côté moins cool, mais par contre la chambre est trop bien, donc c'est trop cool. Oh waouh. Ah ouais, balcon privé avec la petite table. Quoique on a pas la plus belle vue, les autres chambres je crois. Ah c'est nul, la vue elle est éclatée, c'est le parking. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Allez, ciao les losers. Là, juste à côté, du coup, il y a une salle de sport, giga miroir, une douche pour la salle de sport et un sauna. Et le pire, c'est quand même ça. Il y a un giga jacuzzi avec une giga vue. Bah là, vous voyez pas trop, je vous montrerai demain. Pour mettre du chlore tous les deux jours, hein, c'est le bonhomme qui va dire. On y va, c'est elle est hyper incroyable. Attention à la main. Prochaine chambre. Voici, il y en a une. Oh non, dommage pour vous, elle est moins belle que la nôtre. C'est parti. Et paf. Elle faisait que dire qu'elle voulait pas celle-là. Parce que là-bas, il y a le miroir pour les stories Instagram. Une ici. Là, c'est un peu la même qu'Alaya ici. Ouais, du coup, j'avoue, moi, je veux la dernière au final. J'espère que tu l'auras pas. On a eu cette sortie à Kevin. Attention. Oui, je crois. C'est Camille. Ah bah tiens la bien. Non merci. Giga dressing à l'entrée. Ensuite, miroir de plein pied pour les outfits. Salle de bain. Bon après en vrai c'est la même chose. Hein. Y'a pas de perdant à part Valentin et Léa. Ah, ouais c'est vrai. Après, on est pas déçus. Un peu de somme mais... On a pas raconté les gars l'anecdote quand le mec il nous a fait le tour de la maison. Il a allumé la télé pour nous montrer comment ça a fonctionné etc. Et quoi des chaînes porno. Il y avait VPN Hub. C'est la même chose que NordVPN. Mais version de cul. Mais en même temps dans une baraque comme ça évidemment. Je pense que ça vient pour tourner des films de cul hein. Voilà, c'est bien. Val, il a mis son téléphone, il veut que les chats viennent vers le téléphone. Vas-y, reviens, c'est bon, je tiens le cadre. Regarde. Oh, ça y est, il est... Oh, on voit juste sa petite oreille. Ça, c'est insane. Ah, c'est ça, VPN Hub. En vrai, moi, j'ai un con, si tu veux. Ah. Hein. Comment ça? Putain, imagine, la vanne, elle va jusqu'au bout et ça arrive à se connecter. J'adorerais que cette blague soit vraie. Non, @live.fr. En tout cas, je sais que c'est une vraie adresse mail. Non. Bon, j'avoue qu'on est tous un peu claqués ce soir, donc on va tous aller dormir. Regarde, je fais de la danse orientale. T'as réussi à couper. Viens, Laïa. Oui, moi aussi, je crois qu'on a eu la même idée, non? Non, on va dans une chambre. Réunion entre meufs. C'est mon bisutage. Tu vas devoir faire tes preuves. Si jamais vous n'avez pas vu la dernière fois qu'on est parti en vacances avec la team de Baden, donc on était parti en Grèce, il faut qu'on retrouve un nouveau running gag. La dernière fois du coup à Santorin, c'était le vol de meubles. On les met dans la chambre ou on les met ailleurs? Une barquette à fruits, un vase, deux chaises. Ça fait partie de mes plus gros fous rires de Santorin. Ah ouais, là, faut qu'on trouve un truc plus smart. Et on peut pas faire exactement la même chose parce qu'on en a reparlé sur le trajet et tout. Enfin, ils savent. Dès qu'on va voler un truc. Et même globalement, je pense qu'ils s'attendent à ce qu'on puisse faire de la merde. Non. Ou alors être sur plusieurs tableaux en même temps, tu vois. On peut, genre, juste déplacer des trucs de la maison. On fait genre que tous les matins, il y a un réveil qui réveille toute la ville ou je sais pas quoi. C'est long et tout. Tous les jours, on enlève les draps, tous les draps, les couilles, on replie tout. On dressie. Et tous les jours, tout le monde veut refaire son lit comme un couille. Oh, mais ça casse trop bien. C'est super drôle. C'est super chiant.
fait super beau. Ça va faire de la piscine à sport. Bonjour la compagnie. J'adore. Oh, t'es jolie déjà, pourquoi vous êtes déjà beau? Ça va? Ah ça va et vous? Ah ouais franchement ça va vachement bien. Moi j'ai galéré à me rapprocher de Valentin. Hein. Ah. Justement on devait dormir à côté. Ouais. Non mais t'inquiète. En vrai ça vous a dérangé du coup? On leur demande après la nuit si vraiment ça les dérangeait pas genre. Et moi je me suis perdue hein, dans mon lien. Je trouvais plus mon téléphone. Oh my god. T'as un petit peu de pression de chaleur là. Un 10 UV combien là? Un 10 UV 3, bien joué Camille. Elle est pas chaude. Les montagnes c'est trop beau. Oh, non mais c'est incroyable. C'est trop beau. C'est incroyable. Mec, franchement, t'es beau là dedans. Mais dès que tu sors, t'es un peu claqué au sol. Oh, ça déborde. Non. C'est comme ça qu'on se baigne ou pas? Non, je pense pas, gros. Et on s'en rend compte. Bah, réponds-lui, je parle pas anglais. Hello. How are you? You're great, and you? Yeah, also great. You told me about the shower, there's no hot water. It needs a little bit to regenerate new hot water, but today it will be hot water, so don't worry about it, okay? Okay, pour régénérer de la nouvelle eau chaude parce que tout a été mis dans le jacuzzi, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus d'eau chaude dans nos douches. Mais il ment, je crois un jacuzzi ça se chauffe pas comme ça. Premier outfit de Croatie. T'es un max de sel. Venez, on fait une blague, on enlève des trucs. Attends, comment faire, comment faire? Excuse-moi Valentin, il y a 3500 euros qui est posé sur le... Putain, je stresse, je sais pas. J'ai vu les gars, il y a 2 secondes, j'ai failli dire. Bon bah c'est bon, on peut manger là du coup hein. Ça a l'air super bon. Tu vas manger quoi toi? Si j'en tiens avec des radis. Le pays est beaucoup plus grand que... I don't understand, pourtant il y a les mots qui sont sortis. Toi tu t'assois où, Raph? T'es happy de ce que t'as fait? Oui. Ok, bon bah... Tu vois, mais à chaque repas... Il n'y a plus rien sur la table. Comment c'est possible? T'as enlevé quoi pour qu'elle le remarque? Bah, la table, non, la table. Non, je suis sûr qu'on sera sur nos chaises, elle sera quand même... Est-ce que vous pouvez juste mettre une note à la table? Mais... Non, merci beaucoup. Attends, pourquoi il y a tout qui a disparu? Il y avait des billes de moda, il y avait des pâtes. Mais non, j'ai tout ramené sur la table. Non, j'ai ramené le... On les a mis au frigo pour attendre, non? Ouais, c'est bon, moi j'ai mon... Ah ouais, très bon. Il y a pas le coup. T'as trouvé? Non, on a rien fait. Il y a rien dans le frigo. Mais c'est vraiment le coup. Mais j'ai trop paniqué. Bref, t'as mis si longtemps, ça fait 1h30 qu'on a tout fait. C'est vrai? Oui, bien sûr. Ah non, c'était super drôle. Blague à part, en vrai, merci beaucoup à Lala parce que c'est vrai qu'on a fait. Bravo Lala. Je gâche tout. Oui. Première sortie officielle, on a loué 2 petites voitures parce que la ville principale elle est tout là-bas. Du coup bah on peut pas y aller à pied. But when you call me baby, only, only one. I'll get dressed up to go downtown. I'm all messed up on a Friday. If you're up for drinks and a good crowd, raise your glass to the sky. Let's toast to that. All these people can stare. I don't care about that. This is my pity party. Le sex on the beach est très bon. Mia. Bon, ce monde c'est pas la couleur d'un saumon normal, mais c'est il a eu du blanc de poulet cru. C'est toast, pesto, salade, fromage, saumon, c'est un saumon. Sympa. Ça a l'air bon en vrai. Oui, c'est très bon en vrai. J'adore ce mood. Oui, moi aussi. Attends, et est-ce qu'il y a des villageois ou pas? Non. Ok. Là-bas, ils seront plus vieux. On va appeler Cupidon qui va se duoter avec quelqu'un. Cupidon est avec un loup-garou. Bah, faut qu'il... Cupide, moi, le... On termine par la sorcière. Je tire sur lui. Une fois. Et, et ça, c'est ma bite. Ça, c'est drôle.
j'ai bien aimé. Alright. Non mais mets-nous s'il te plaît dans une ambiance Les amis, c'est la nuit, tout d'un coup, t'as la nuit, tout le village il ferme ses yeux, ok? Cupidon, il faut que tu choisisses, que tu désignes ton amoureux. Je vais ensuite aller lui faire une petite tapette sur l'épaule. Cupidon, tu peux ouvrir les yeux et désigner du coup une deuxième personne s'il te plaît. Maintenant, j'appelle la voyante. Désignez-moi une carte, comme ça je vais faire un tour et vous donner l'information. Carte. Imaginez, Raph, il présente un poème là. Le loup-garou peut ouvrir ses yeux. Prends ton temps, mais en même temps. Merci la sorcière, tu es éveillée. Vas-y, la vie de ma mère. Ok, très bien, je note. C'est le matin, le village se réveille. Ah, et savez-vous quoi? Il n'y a pas de victime aujourd'hui. Moi je pense que c'est un des deux. Personne n'a d'arme du monde. Non, je pense que c'est Théa qui est vraiment loup garou. Non, moi je pense que c'est Valentin loup garou, je sais pas pourquoi. Venez, on skip. Vous voulez skipper? Oui. Le village s'endort, s'il vous plaît. Le loup garou, dis-moi qui tu veux vraiment ça. Et. Le village, c'est la pêche. Et croyez-moi ou pas, s'il y a quelqu'un qui est mort. Allez, je suis mort. C'est Alaya qui est décédé. Oh non. Angers, c'est mort aussi. Oh. Nous allons maintenant découvrir leur carte. C'était la sorcière et le loup-garou, il m'a buté au premier tour. Je m'étais déjà ressuscité une première fois et il m'a rebuté. Pourquoi j'ai tué André? Pourquoi tant d'acharnement? Que c'était lui. Du coup, Gizzy. Il était le loup-garou. J'étais le loup-garou. Il était le loup-garou. Oh. Je savais qu'il y avait que toi pour me buter deux fois. Les villages, passage de GoPro. Wow. Mais non, mais moi il faut savoir qu'à chaque fois qu'on part, c'est moi moi je suis le petit singe à chaque fois. Non mais regardez-moi cette vue aussi là, encore une fois là, c'est fou, c'est juste magnifique. Waouh, c'est un truc de fou quoi ce qui se passe là. Oh, c'est super mignon. Ouais, il était pas ouf. Un 7. Ah ouais. Ouais, ça fait 14 sur 20, j'aime bien. Aujourd'hui, normalement, on va essayer, du coup, comme on a récupéré les voitures, d'aller dans des cascades. Et il y a un parc national à peu près une heure de route d'ici. On essaie de bien s'organiser parce que c'est compliqué entre les tournages de chacun, le taf quand même, parce qu'on doit continuer. On a des obligations, genre on doit continuer de taffer même si on est à l'étranger. C'est là où c'est toujours un peu différent, genre pour la majorité des gens, partir en voyage, ça veut dire partir en vacances. Mais là, on est en voyage et genre c'est incroyable et on essaye aussi de profiter de ici. Mais on part quand même pour le travail et on doit quand même continuer de travailler. L'organisation, c'est genre tout un micmac, c'est super galère. Allez, à table. À table. C'est les Zoo Nuggets. Ouais, c'est les petits nuggets en forme d'animaux. Regarde, là, c'est un mammouth. Bah non, là, ils sont abusés un peu, là j'avoue, là, je... Regarde, ça, c'est un super cheval. On n'a pas le meilleur des temps, mais on s'attendait quand même vachement à pire parce que ça annonçait vraiment de l'orage et de la pluie non-stop toute la semaine. Est-ce que vous aimez bien quand je suis pas coiffé comme ça? En vrai, c'est mieux quand je suis coiffé, on est d'accord, on va faire un petit débat, là, maintenant. Non. Tout le monde s'en bat les couilles. C'est un jeu de balou. Tout le monde s'en bat les couilles, très bien, c'est pas un vlog. Hier au Gypsum, le saumon il a une tête bizarre là. Le saumon c'est pas la couleur d'un saumon normal, mais c'est il a eu du blanc de poulet cru. Je crois qu'il a une couleur bizarre. Et bah je sais pas si c'est ça. Je me suis tapé une petite intoxication alimentaire cette nuit. J'avais des crampes d'estomac de l'espace à 5h du matin. Allez, allons-y. Genre par contre, premier degré, le saumon était suspect. Il avait vraiment une couleur bizarre. Mais en vrai, des fois, vraiment, je te jure, c'est que faut se fier à ses premiers instincts. Genre, tu sais, quand tu. Non, mais vraiment, moi j'ai développé ça en mode des fois, je mange à partir du moment où j'ai pris la première bouchée. Je me suis rendu compte que genre c'était pas ok, tu vois. Pourquoi tu rigoles? Moi je disais que c'était facile à verser en vrai, notre petite bouteille d'eau là. Merde, tu t'as fait la pâte. Comment tu vas péter la pâte en bouponnet? Les gars, si quelqu'un veut de l'eau, il est... Ah ouais, je suis de fou. Bah qu'il aille se faire foutre hein, dans le route. When I think about the way we used to be, when I think about the things it took from me, I know that... Eh, on n'est pas trop une colonie de vacances là? Ça use. Eh, mais ça descend de fou malade là. J'aurais peut-être dû mettre des baskets finalement. À aucun moment notre sortie n'a été bien anticipée. On est en giga sueur là. Niveau plaisir, très peu. Kikiou! Lucas, Alaya, Valentin! Purée, ils sont partis, hein.
ça a l'air incroyable. J'ai jamais vu de cascade de tout. Moi non plus. Ça a l'air incroyable. C'est incroyable. Non, 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 j'aurais été chaud d'aller au Lidl en deux spins pour aller chercher de la merde. Mais venez, ce soir on fait un taxi à Péron. On a acheté de la merde. Bon. Mais reprenez des billets de mozza alors. Moi, à tout moment, on reprend la voiture, tu viens avec moi, on va acheter des billets. Mais tu veux quoi? Allez hop, let's go. Du coup, tous les garçons sont partis faire les courses. Mais vous vous doutez bien que si on est seul dans la villa. Les bêtises. On va pas se tourner les pouces. J'ai une idée. Il faut qu'on prenne un paquet de chips. On prend un bol, on vide les chips ici et tout. J'ai mon fer à laisser et on le referme et on le place tout devant. Du coup, quand les gens sont partis, ils sont partis. C'est pour ça. Celui-là, on part sur les trucs. Oui, celui-là, il est pas ouvert. Venez, on fout une chaise dans la piscine. En plus, il y a eu du vent. On met les chaises comme si elles avaient une rafale. Oui, comme si elles étaient renversées. Oui, je la jette. Ok, donc c'est quoi les trucs? Là, on va foutre le feu aux baraques. Il faut cacher ça. Il faut que tu le tiennes bien tendu. Attends, mais je suis choquée si ça marche. C'est incroyable. Pff, c'est masterclass. J'espère que vous nous avez ramené des bons trucs là. Du Blue Lagoon à foison. Apéro là, allez, quoi allez. Ah, je sais pas. On n'est pas sortis du tout. Bon, allez, on va préparer un petit apéro sympa. Ouais. Après, en vrai de vrai, dehors, ça pourrait vraiment faire sur la planche. Le plan, c'est de faire l'apéro dehors. Je sais pas, il a allumé la lumière dehors, donc. Non, mais arrête, mais attends, mais wesh, il se passait quoi ici? Non, on avait acheté du froid. Attends, on s'est fait cambrioler ou quoi? Aujourd'hui, on a décidé d'être énervé. Vu comme elle pense, j'ai rien fait. Attends, attends, très bon travail. Tout l'immeuble s'est éteint. On est en train de faire une masterclass là. C'est qui ce connard qui a fait ça?